Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau titre et on va parler de Souvenirs en bataille. Le manga Souvenirs en bataille est un one-shot des éditions Akata, c'est un seinen dans leur collection large. Nous sommes sur un manga dans le genre tranche de vie, émotion, autobiographie, sérénité, sénilité, pardon, et culpabilité. J'arrivais pas à enlever le bandeau. La série date de 2018 au Japon et du 22 avril 2021 en France. Voilà, donc ça date il n'y a pas très très longtemps, j'avais loupé la sortie honnêtement. Nous sommes sur une série qui est donc de Shikabane Sensei. Et juste à savoir que jusqu'au 31-10-2021, 5% du prix est réservé à une association qui s'appelle Petits Frères des Pauvres, non à l'isolement de nos aînés. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je me suis dépêchée de l'acheter. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, si à savoir que le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus, et moi je dirais plus ou moins public averti, ou dans le sens public sensible par rapport aux grands-parents, voilà, juste d'être prévenu, parce que je vais t'expliquer dans mon avis certaines choses, et forcément, bah ça, il y a un impact en fait, ce genre de titre. D'ailleurs, le bandeau de Akata, je le dis maintenant, mais également disponible. Adieu mon utérus et mon père alcoolique et moi, et c'est vraiment dans le même champ. Donc voilà. Donc juste avant de commencer, je voulais expliquer par rapport au trigger warning sur les personnes âgées. C'est juste que par exemple, moi, forcément, tu sais, on a deux grands-mères. Ça, c'est la base, de base. Moi, j'ai vécu avec les deux, sauf que l'une est morte il y a quand même une dizaine d'années. C'est plus ou moins tassé, mais voilà. Et sauf que j'en ai une grand-mère qui est morte du coup au mois de mars. Enfin, fin février, mais elle a été enterrée le premier mardi de mars. Et j'ai deux grands-mères de cœur. L'une d'elles est morte, il ne m'en reste plus qu'une. Donc, le fait de ne plus avoir de grand-mère, enfin, sauf une, mais voilà. Voilà, t'as compris. Toujours est-il, en plus, c'est surtout que c'est très récent, donc ça a été très très dur pour moi de lire ce titre. Et donc du coup, j'ai mis aussi, je l'explique, j'ai mis cette couronne de fleurs dans mes cheveux, parce que tout simplement, toutes mes mamies surkiffent les fleurs, cultivent des fleurs, aiment les fleurs. Donc voilà. Je vais faire une pause et je reviens dès que c'est passé, hein. Donc, en ce qui concerne le manga, on va attaquer comme d'habitude avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais que la qualité de dessin est quand même un petit peu supérieure quand même, oui, elle est nettement supérieure quand même à justement Mon père alcoolique et moi et Adieu mon utérus, qui sont donc recommandés et qui sont dans le même genre. On va avoir juste un manga où on suit les aventures donc de notre du mangaka, où en fait on découvre que depuis tout petit, depuis quasiment toujours, il vit avec sa grand-mère. On découvrira par la suite en fait qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé par rapport à la maman. On découvre très vite que le papa s'est barré et il a refait sa vie. Voilà. Et on va le voir donc vivre sa vie en fait avec sa grand-mère. Malheureusement en fait, ben, ce n'est pas de tout repos et ça crée des problèmes des tout petits, c'est-à-dire que forcément, faites un dessin pour la fête des mères. Ses vêtements et ses chaussures étaient très usés, étaient très sales et il n'osait pas lui dire pour pas lui donner plus de travail, etc. Mais à l'école, il a eu du harcèlement par rapport à ça. Et ce qu'on va nous montrer, en fait, c'est tout simplement la vie d'une personne qui vit avec sa grand-mère. Et d'avoir profité de la vie, d'avoir pensé surtout à lui-même. Et donc, en fait, de ne pas avoir vu que sa grand-mère était en train de vriller. Et dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elle commençait à avoir des hallucinations, à perdre la tête, à ne plus savoir où elle a mis des objets, à les déplacer, à les poser dans des lieux improbables. Et donc, avoir des hallucinations, de croire qu'il y a quelqu'un dans la maison alors que c'est juste un t-shirt, etc. Et ce qui est intéressant dans ce manga, en fait, ce que j'ai aimé, et là où l'auteur est un génie pour moi, tu comprendras ce que je veux dire, mais en fait, c'est son apparence au personnage, à l'auteur, il n'a pas de réel visage humain. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on puisse tous s'identifier. Je m'explique. Déjà, rien que même aussi le
qu'on voit le père, son père, on ne voit pas réellement son visage, on voit juste, par exemple, coupé là, et on voit juste sa barbe, etc. Pourquoi c'est fait ? Pour tout simplement qu'on puisse plus facilement s'identifier à cette situation, parce qu'on ne voit pas un visage. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres situations où on ne voyait pas non plus de visage de personnage. Ça permet en fait de s'identifier. Je m'explique dans le sens où, par exemple, tu vas voir une fille aux cheveux... Parce que j'ai une apparence de fille, je dis ça. Aux cheveux bouclés. Si tu as les cheveux naturellement lisses, tu vas moins facilement t'identifier. Si tu vois un personnage, par exemple, avec les yeux bleus. Si tu as les yeux noirs, tu vas moins facilement t'identifier. Etc, etc. D'ailleurs, il y a un gars qui fait des tags, mais avec des vraies illustrations dans la rue, qui fait ça avec des personnages qui n'ont pas réellement non plus de visage pour que tout le monde puisse s'identifier. Et donc là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'auteur du coup est le seul personnage, comme sur la couverture, à ne pas avoir une tête forme humaine. Et donc ça permet qu'on puisse tous s'identifier. Même une fille en fait peut s'identifier, parce que là au final, il n'a pas de genre. Et à aucun moment on met son genre en avant, le fait que ça soit un homme ou pas. Donc c'est ça qui est plutôt sympa. Donc en fait, on va suivre donc les aventures de ce jeune homme, les sacrifices qu'il va devoir aussi faire pour sa grand-mère. On est tout simplement parce qu'il aime sa grand-mère et qu'il n'y avait que lui pour s'occuper d'elle. Donc voilà. C'est une œuvre en soi... Je vais recommencer. C'est une œuvre en soi qui est super bien travaillée, super bien développée. L'auteur sait très bien faire son travail et je trouve que l'œuvre est super bien. Parce que en fait, je vais te montrer, c'est un peu plus loin dans le manga, donc évite de lire les pages au pire si tu ne veux pas comprendre trop ce qui s'y passe. J'essaie de retrouver la page. Donc comme je te l'ai dit, ne fais pas attention, évite de lire les bulles parce qu'on est vraiment sur la fin du manga. Mais ça, c'est une des pages les plus marquantes et les plus... vraiment, par rapport à ce que je veux t'expliquer, c'est vraiment la page la plus forte. Mais tu vois, ici, on voit vraiment, du coup, la souffrance de l'auteur. On voit l'âme brisée, le tout, en fait. On voit avec les gribouillages tout autour, qui s'est même gribouillé plus ou moins son propre visage. Alors, des fois, il se fait une espèce de mâchoire, un truc comme ça, comme ici. Ça arrive. Donc, voilà, par rapport à là où ça ressemble plus trop à ce qu'on avait au début, ça arrive qu'il dessine comme ça son propre visage. Mais du coup, c'est là où c'est poignant, c'est qu'il y a des moments où il montre réellement la brisure mentale, la souffrance mentale, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on la ressent aussitôt. Je trouve que ce genre de pages-là sont aussi bien faites que le manga Brisé par ton amour, oui, des éditions Megan. C'est le même genre de page, comme ça, très poignante, très violente. Et donc c'est pour ça aussi que je disais qu'il fallait être vraiment préparé mentalement pour lire ce manga par rapport à si on est un petit peu sensible comme ça sur nos grands-parents. Parce que c'est vrai que c'est assez violent à certains moments et ça prend aux tripes. Et personnellement d'habitude, je pense pour ceux qui me suivent vraiment, je mets une heure à une heure et demie grand maximum pour lire mon manga. Là j'ai mis toute la matinée, c'est-à-dire de 8h à 11h30 parce que je faisais des pauses, parce que je voulais pas, parce que... C'était dur parce que j'avais les larmes qui venaient, etc. Donc voilà. Par contre, comme tu peux le voir à côté de moi, tout est super bien travaillé, abordé, développé. Et donc j'ai vraiment apprécié. On va terminer avec mon avis sur la qualité des couvertures. Donc déjà pour ce qui est de l'avant, qu'on enlève la jaquette. Dans un sens, j'aime bien parce que ça fait un peu cadre et photo. Mais je ne suis pas habituée, donc du coup, voilà, je suis un petit peu perturbée par rapport à ça. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que c'est repris ici. Le côté un petit peu déchiré et tout ça. On a donc le résumé, un mot une partie accroche vraiment et donc les points de la série. Ici on est sur quelque chose de très sobre et je trouve que ça colle parfaitement à la série. Et à l'arrière on voit juste une petite image toute mignonne. C'est juste la grand-mère qui tient la main de son petit-fils. Cette image on la retrouve dans le manga un passage et... C'est un passage beaucoup, rempli d'émotions et qui est vraiment assez lourd, je trouve. Et voilà comment on commence. Il n'y a pas de page entre chaque chapitre, ce qui n'est pas plus mal parce que dans ce genre de situation, il ne faut pas s'arrêter et il faut continuer de lire le manga. Pour ce qui est des... Alors, déjà, le message de l'auteur, je voulais le lire pour une fois parce que
Ben, dans un sens, il touche aussi. C'est seulement après sa disparition que j'ai compris à quel point elle comptait pour moi. Je n'ai qu'une envie, retourner dans le passé pour m'en coller une. Voilà. Ensuite, également disponible chez les éditions Agatha, je vais te le dire parce qu'il y a des titres que j'ai lus et d'autres que je n'ai jamais présentés. Adieu mon utérus, donc il y a une vidéo. Mon père alcoolique et moi, il y a une vidéo. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, je pense que tu le sais, il y a une vidéo. La vie devant toi, il me semble que c'est la couverture avec un chat, donc il ne m'intéresse pas. Asana n'est pas hétéro, je l'ai présenté du coup pendant le mois de mai. Très portrait, dessiné tes toits. La série est en 5 tomes. J'attends que la série se termine. Je ne sais plus où ça en est exactement au moment où je filme, mais j'attends juste la fin. Je reviendrai vous voir. Je l'ai déjà présenté. Et la virginité passée 30 ans, souffrance, désir au quotidien. Cette série ne m'intéresse pas. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je m'excuse du coup pour les larmes qui sont montées, mais je n'ai pas pu me contrôler tout simplement. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me mettre justement si ce manga t'intéresse ou pas. Est-ce que justement tu passes ton tour parce que tu es trop sensible sur ce sujet? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos, Akata, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Je te le redis au cas où, mais dans la barre d'infos, tu as le résumé à chaque fois du manga ainsi que des codes promo sur beaucoup de sites. Et les liens vers mes autres chaînes YouTube. Sur ce, à bientôt!